مرحبا بكم مرة أخرى على الماي سكول بوانتي ام باش نواصلوا مع التابلو دافونسمون. دونك في التابلو دافونسمون المرة هذه باش نتعرضوا للكا جينيرال. دونك في الكا جينيرال باش ناخذوا التابلو برياكسيون كيلكونك و كونتيتي دو ماتيير انيسيال كيلكونك. كيما قلنا هذا هو ليتا انيسيال. اش معناه؟ معناه هنا باش نحط لي كونتيتي دو ماتيير نتاع لي ديفيرون كونستيتيون في الانستون انيسيال. الانستون انيسيال الرياكسيون ما بداتش، لكن توا باش تبدا، توا اللحظه زيرو توا باش تبدا. دونك هنا هو ليتا انترميديير. ليتا انترميديير ستادير او كور دو ديرولمون دو لا رياكسيون، تي لا رياكسيون قاعده تقع، وهذا بالطبيعه هو ليتا فينال. دونك كيف تكون تخدم بالتابلو دافونسمون ما يهمكش في الكونتيتي دو ماتيير انيسيال تعرفها ولا ما تعرفهاش، ما يهمكش فيها. كان تعرفها حط لها الفالور نتاعها، كان ما تعرفهاش تحط ان زيرو نتاع فلان. كيما مثلا هنا عندي ا ان زيرو دو ا، اما ما يهمكش ما تبقاش تكسر في راسك في معناها في الكونتيتي دو ماتيير هذيك كيفاش تجيبها، لا مش لازم تجيبها تو من بعد تالي وحدها وحدها تطلع. الحاجة الأخرى وقت اللي تكون تخدم زادة بالتابلو دافونسمون ما تفكرش في لي كونتيتي دو ماتيير نتاع لي ديفيرون كونستيتيون. يعني أنت عندك انكونو برك اسمه لافونسمون إكس. يعني إذا كان تحب تجاوب على أي كيستيون نتاع كالكول ديما ركز أمورك على أنك باش تخرج لافونسمون إكس. يعني في مخك دائما باش تخرج لافونسمون إكس. دونك كي نمشيو لليتا انترميديير بيان سور الآر هنا سي تان رياكتيف، دونك أون أورا إن زيرو دو أ، والكويفيسيون ستوكيوميتريك كما تلاحظوا هنا هو ا، دونك موان ا اكس. كيف كيف البي سي تان رياكتيف، دونك ان زيرو دو بي، دونك سا كونتيتي دو ماتير فا ديمينوي، لكن ان ريسبكتون بيان سور لو كويفيسيون ستوكيوميتريك موان بي اكس. اي اون اورا ايسي بيان سور سي اكس اي دي اكس. دونك في ليتا فينال il suffit de remplacer le x par x final. Moins ax final, donc n0 de b moins bx final, donc cx final ou dx final. Voilà comment remplir le tableau d'avancement. Donc, pour ce qui est du tableau d'avancement, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous une fois que nous avons les coefficients stoichiométriques, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que faire très attention. Donc, pour les réactifs, on diminue, la quantité de matière diminue, pour les produits, les quantités de matière augmentent. Donc, je ne trouve pas la chose seconde, donc avec le tableau, la chose seconde, l'avancement maximal au réactif limitant. Donc, avancement maximal, donc X max. Là, pour le une réaction est totale s'il a au moins des réactifs et consommé totalement par la réaction. Pour le bichikoun, M, N0 de A moins AX égale à 0, ou N0 de B moins BX égale à 0. Donc, allez, bichatine, donc X1 est égal à N0 de A sur A, ou X2 est égal à N0 de B sur B. Si maintenant on trouve que x1 inférieur à x2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le n0 de a sur petit a aqal mel n0 de b sur petit b. Voilà la méthode que nous avons bien fait la deuxième année, fait la première année ou fait la troisième année. Donc si x1 inférieur à x2, c'est-à-dire n0 de a sur a inférieur à n0 de b sur b, donc ce x1 correspond à la quantité de matière, donc on a la quantité de matière de A, donc ça veut dire que le X max est égal à X1, et bien sûr, dans ce cas, A est le réactif limitant. Automatiquement, bien sûr, B est le réactif en excès. Donc, une fois on a le X max, dans ce cas la réaction est totale, on va revenir à ça. X, la réaction est totale, donc le X max est égal à X1 est égal à X final. Une fois on a le X final, donc on indique sa valeur et on détermine la composition finale du mélange à la fin de la réaction. Donc, maintenant on va essayer de voir
Autre chose concernant le tableau d'avancement. On va essayer de voir la composition du mélange AT quelconque. AT est supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire le N de A à l'instant T. Ça veut dire que c'est le N de A restant. Pourquoi restant? Parce que A est un réactif. Lorsqu'on parle du nombre de moles de A à l'instant T, c'est le nombre de moles de A restant. Donc c'est le N0 de A moins AX. Maintenant, le N de B à l'instant T, on dit que c'est le N de B de même restant. Et il est égal à N0 de B moins BX. Le N de C à l'instant T, ça s'appelle le N de C formé à l'instant T, donc c'est C fois X. De même, pour le produit D, donc le N de D à l'instant T, c'est le N de D formé, c'est D fois X. Voilà la composition du mélange à l'instant T. Mais faites très attention, une remarque importante. Lorsqu'il me demande de déterminer le N de A réagit. En bien sûr, c'est le N de A initial moins le N de A restant, mais faites très attention pour le réactif A. On va commencer avec un nombre de moles initial N0 de A. À l'instant T, il nous reste N0 de A moins AX. Donc, il nous reste N0 de A moins AX. Donc, cette quantité de matière initiale de A a diminué de AX. Winnemchette AX, c'est le réagi. Donc, N de A réagit, c'est A fois X. De même, s'il me demande le N de B réagit, de même, c'est le B fois X. Voilà donc pour le calcul des quantités de matière en utilisant le tableau d'avancement. Tower, je fous le taux d'avancement final d'une réaction. Taux d'avancement final d'une réaction. Donc, c'est noté taux F. Donc, cette lettre F, c'est le taux. Par définition, taux F est égal à XF sur Xmax. A, ici, c'est le taux d'avancement final d'une réaction. Donc, taux F est égal à XF sur Xmax. Donc, le X, dans le cas d'une réaction totale, donc si la réaction est totale, la réaction ne s'arrête que si l'un ou moins des réactifs est consommé totalement par la réaction, c'est-à-dire le XF atteint sa valeur maximale. C'est-à-dire la réaction ne peut pas nous donner une valeur plus grande que ce XF. Donc le XF est égal à Xmax. Donc taux F est égal à XF sur Xmax, donc est égal à 1. Voilà pour la réaction totale. Maintenant, si la réaction est limitée, donc, vous avez vu un exemple de réaction limitée, c'est l'estérification. C'est-à-dire, à la fin de la réaction s'arrête. Donc, l'alcool, l'acide, c'est-à-dire l'acide carboxylique, l'alcool, l'ester et l'eau, existent à la fin de la réaction. Leur nombre de moles ne varie pas. Et malgré ça, la réaction s'arrête. C'est-à-dire, la réaction s'arrête avant que le X final atteigne
la valeur maximale de l'avancement, c'est-à-dire xf inférieur à xmax. Donc pour une réaction limitée, le xf inférieur à xmax, c'est-à-dire le xf sur xmax inférieur à 1. Donc le taux d'avancement final est inférieur à 1. Bien sûr, le xmax, on va voir lors des exercices que le xmax, on le détermine directement avec le tableau d'avancement, mais le xf, il y a d'autres méthodes qu'on verra avec la réaction d'estérification, comment on détermine le xf. Donc, on vous laisse bien sûr des exercices d'application pour le tableau d'avancement, donc essayez de faire ces exercices et on va vous proposer les corrections. Merci et bonne continuation.